Det en speciell dag för Mariette Schaub. Efter 60 år tantas dagbok från krigen endelig klar för utgivelse. C'est très émouvant pour moi. C'est très émouvant de voir le livre. Ouais. Très heureuse en même temps. Très émue et très heureuse. Je suis vraiment très impressionnée par l'accueil, très il y a vraiment une résonance, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions, c'est très émouvant vraiment. Trots det som händer på invasionsfronten, går liv i Paris oförstyrret vidare. Vi visar bilder som är tagna i första veckan efter att invasionen började. Og slik begynner også dagboka til Hélène Bert. De første sidene fulle av skildringer om livet i Paris og på landet. Hun var 21 år da hun startet å skrive dagboka i 1942. Side for side så tar hun oss med inn i marerittet. Årets boksensasjon kaller fransk media dagboka. En jeune fille qui respire la joie de vivre. C'est le journal original d'Hélène. Et donc il est ouvert là à la page du passage qui relate le premier jour où Hélène porte l'étoile jaune dans Paris. Her ved Holocaust-museet i Paris Hélènes dagbok en av hovedattraksjonene. Her har noen av boksidene vært utstilt i et par år etter at ungdomskjæresten Jean, som dagboka var skrevet til, sa «Nå jeg klar». C'est très personnel, elle livre des réflexions, on entre vraiment dans les pensées d'Hélène, elle se livre là complètement. Elle dit à plusieurs reprises dans le journal, j'écris pour que les gens sachent, il faudra que les gens lisent. Donc, elle écrit quand même avec l'idée que tout ce qu'elle note là, ça doit savoir. Donc on ne la trahit pas. Den tyske okkupasjonen av Paris går mot slutten, og bare noen dager før konsentrasjonsleiren Belsen blir satt fri, så dør Hélène i denne leiren, der Anne Frank noen dager tidligere også døde. Hélènes siste ord i dagboka grufullt, grufullt, grufullt. Slik minnes Frankrike sine 70 000 jøder som ble sendt til konsentrasjonsleirene. Her ved Holocaust-museet alle navn gravert inn i stein. Donc vous avez les noms de toute la famille Bert, bien entendu, leur année de naissance. Hélène, juste là. Est-ce qu'elle savait qu'elle allait mourir? On a toujours l'espoir qu'on va s'en sortir. On ne sait pas ce qui va arriver. Elle savait qu'il y avait un sort particulier qui était réservé aux déportés, elle avait entendu des choses. Malgré tout le danger qu'elle pressentait, elle est restée avec ses parents, elle n'a pas fui, elle ne s'est pas cachée et elle a affronté son destin debout, fièrement. Mon Dieu, je ne croyais pas que ce serait si dur. J'ai eu beaucoup de courage toute la journée. J'ai porté la tête haute. Et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. Mais c'est dur. Slik beskriver Hélène hvordan hun opplevde å ha jødestjerne på seg for første gang i Paris. Il me demandait l'autorisation de citer des extraits. Og her i den lille pariserbokhandelen folk nysgjerrige på hvorfor det tok 60 år før familien ga ut dagboka. Il y avait toutes sortes de raisons, des raisons privées, des raisons familiales. Et aussi, je pense qu'il y a un temps pour tout et qu'il y avait toute une période de gestation. Il faut 9 mois pour faire un bébé, il faut probablement plus de 60 ans pour faire sortir le journal d'Hélène. C'est une histoire qui est très douloureuse, donc c'est pas toujours facile. C'est l'histoire de notre famille, donc c'est quand même quelque chose au départ de familial, sauf que c'est tellement beau et tellement universel que c'est quand même quelque chose qui était indispensable de l'offrir au collectif. C'est Z. Oui. A,